طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on reprend inshallah le cycle de conférences en français pour nos jeunes, pour les non-arabophones. Et comme vous l'avez remarqué, il y a un tas de petits appareils là. C'est parce qu'alhamdoulilah, juste après, donc on met ça sur YouTube et autres. Et puis on a nos frères, que ce soit en Afrique francophone ou bien dans d'autres endroits, alhamdoulilah, qui profitent un peu. Donc ceux qui ne parlent pas la langue arabe, hein, ils profitent un petit peu de ces rappels. On est dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et on est arrivé quasi au 80e nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ça fait plus d'un an et demi à peu près qu'on a commencé, inshallah, et on a vu plus de 79 noms. Hein, aujourd'hui, on est arrivé au 80e nom et on a rappelé Allah radi alaykoum l'ahamiyya, l'importance d'apprendre. L'insan wa labud darsu yata'allam asma Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul allumum l'ouladou. Wala abud. Wallahi. Il doit les apprendre à ses enfants. Très, 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 très important. Ces dernières années, ces derniers mois, kul sarah. C'est pas que la religion, alhamdoulilah, elle restera jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera anéantir donc cette terre et ce qu'il y a autour. Lakin, la pratique, elle diminue chez beaucoup de jeunes. Même si on voit, alhamdoulilah, une certaine présence, là qu'il y a une certaine pratique qui diminue, et là où ça fait mal au cœur, c'est une certaine compréhension de la religion. Certaines compréhensions de la religion et des bases. C'est pour ça qu'on trouve, alhamdoulilah, les jeunes qui sont là, mais là qu'il y a une difficulté, le fahm, certaines parties du nusus, le Coran, le Sunna, l'aqida, comme les asma Allah, les sifat Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on trouve bien la plupart des gens, mais qu'on ne les connaît pas. On ne connaît pas les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou la tlubna shi wahid matalan shurhu ism min asma illah subhanahu wa ta'ala. Ou l'aglabia ma'an nahtashi sharh, mahfoud, ma'rouf. On n'a pas donc connaissance donc d'une explication qui a été étudiée, qui est connue. Et je termine maintenant en français, inshallah, pour qu'un musulman puisse être fier dans son adoration. Qu'un musulman puisse il est fier, il dit, je suis musulman, là qu'il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un problème. Deuxièmement, lorsqu'on étudie, je vous le dis juste maintenant en septembre, parce qu'on va faire ça inshallah jusqu'au mois de juin, c'est que deuxièmement, quand tu étudies les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous allez le voir aussi aujourd'hui, ceux qui viennent pour la première fois, quand tu es touché par un problème, par une situation, tu vas te rappeler un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça va te faire plaisir. Je rappelle, il y aura les questions-réponses. Et pour les sœurs, s'il y a quelqu'un qui peut aller, donc une sœur au couloir, là où il y a les escaliers, on va leur remettre les petits papiers. Et après, ils peuvent envoyer quelqu'un ou bien on enverra un des frères aller les rechercher. Comme ça, à la fin de Dars, inshallah, j'essaierai de répondre à quelques questions. Donc ça, c'est, on va dire, le deuxième point. Très, très important quand on est touché par un problème. Mais le troisième point, c'est que lorsque on a plus tard des enfants, et même lorsqu'on va par exemple à une fête, une rencontre en famille, qu'on soit capable de faire un rappel. Chacun d'entre nous sait faire un petit rappel. Kun da'iyan, soit quelqu'un qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir que, alhamdulillah, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, c'est un trésor immense. Donc aujourd'hui, on voit le nom Al-Mannan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'est appelé Al-Mannan, c'est-à-dire c'est celui qui donne énormément. C'est celui, subhanahu wa ta'ala, qui donne énormément. Et ses faveurs sont vastes. Et il donne beaucoup, subhanallah, à ses serviteurs, sans qu'il attende que ses serviteurs lui remettent quelque chose. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a'ti, lakin ma ki tlubsh minna ou ma ki intadarsh minna nous hna n'a'ti ou li shi haja abadan, subhanallah. Ou qui a'tina yawmiyan, tous les jours il nous donne. Tous les jours, il nous donne.
Et il sait très bien que nous, ses serviteurs, on ne pourra jamais lui donner quelque chose qui dépasserait ce que lui nous a donné. Impossible. Et il n'a pas besoin de nous par rapport au don. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on l'appelle Al-Mannan, c'est pour aussi nous rappeler. Et revenez à Surat Al-Nahl. A'da'adu billah, mishtarajim, bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna Allah la ghafurur rahim. Wa in ta'uddu. ولو الإنسان يبغي عد سبحان الله يبدأ يحسب شحال من نعم كرم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ما يقدرش يحصيها أبدا والله يا شباب si chacun d'entre nous devait s'asseoir prendre une feuille commencer à noter tous les bienfaits qu'Allah سبحانه وتعالى nous a donné jour après jour والله on serait incapable de quantifier cela. On peut même aller plus loin. Si tu prends un bienfait voir et que tu demanderas à qui que ce soit dans le monde, même les spécialistes, les ophtalmologues, tout ce que tu veux, spécialistes des yeux, que vaut un œil? Subhanallah. Je ne parle pas de diya, par exemple, si jamais, la qaddar Allah, vous savez, quand on tue quelqu'un, ou la qaddar, en justice, il y a le prix du sang. Ben, la même chose quand il y a un accident, par exemple, et qu'on a provoqué le fait de rendre quelqu'un aveugle ou autre. Donc, alhamdoulilah, les juges musulmans, il y a tout un calcul qui peut se faire et autres, mais ça, c'est juste pour, entre guillemets, aider cette personne pour pouvoir continuer à vivre. Ah, mais est-ce que cet argent va lui rendre ses yeux? Ah, ben, non, jamais. Le fait d'entendre. Et des fois, même, subhanallah, il y a quelques mois, je disais à mon épouse, je dis, voyez les dents, sinam. Allah subhanahu wa ta'ala, qaddar Allah, des fois avec l'âge, d'année en année, les médicaments, t'as des fois des dents, ils se cassent, ils partent. Des fois, si Allah subhanahu wa ta'ala fait que derrière ici, tu vois les dents, les spécialistes de l'ham. Si tu as une dent qui est là et une autre qui est là, mais celle de là, hein, elle se casse et qu'il y a un trou. Et juste à côté, il y a un autre trou et tu as une autre dent qui est là. Quand tu veux manger, comment tu fais? Quand tu veux mâcher, comment tu fais? C'est difficile parce que celle-là, elle descend dans le vide et l'autre, elle monte dans le vide. Et là, subhanallah, quand tu vois l'insane, qu'est-ce qu'il fait, Allah, même s'il est encore jeune, il déplace avec la nourriture pour aller avec les dents de devant. Et tu réfléchis, tu dis Allahu Akbar. Une dent, et elle t'a fait des problèmes pour manger un simple petit repas. Ça, c'est une dent. Enfin, imaginez ceux qui perdent, subhanallah, des fois, un poumon, un rein, le foie, osez. Vous entendez souvent des problèmes comme ça autour de nous. Alors pourquoi est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous rappelle cela? Pourquoi il nous dit? Comme s'il nous appelle à réfléchir lorsqu'il nous dit wa in ta'uddu, c'est un appel, subhanallah, à faire une action, à aller chercher, calculer, voir. Et tout cela nous aide à garder notre sela, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la siyama aussi, lakin shi wahid matalan, fina, Allah subhanahu wa ta'ala na'mu, imma bil mal, bil ahl, awlad, sakan, wasi', siyara, ouzid. On a des personnes. Des fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il compte de ses bienfaits, argent, maison, famille, enfants, voiture. Il vit dans un certain luxe. Wallah, il s'oublie. Des fois, il croit que c'est tout à fait normal. Hatta il y en a qui te dit, ça c'est l'arq diali, c'est mon travail, c'est ma sueur. Alors d'autres te disent non. Al-Mannan, celui qui donne énormément, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ni le patron. C'est ni ton père, ni ta mère, ni un tel, ni abadan. C'est d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Ou hna les êtres humains, nous qui sommes ici sur terre, nous on farraq. Nous on est juste des intermédiaires. Hna al wahd al-hamza tawasil. On transmet. Et ça nous on oublie. Et c'est pour cela que des fois, subhanallah, on a parmi nous des orgueilleux. Qui est le nas qui tkabbaro. Tu m'as affiché le takabbur, musiba, le kibr. Il y a des gens qui deviennent orgueilleux à un point où ils pensent que tout passe par eux. Si eux n'étaient pas là, il n'y aurait rien. Donc, Al-Mannan, huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, les savants sont unanimes de dire que tous les hommes, et ici, dès que lorsqu'on parle d'hommes, subhanallah, n'oubliez pas, c'est comme quand on parle des hommes et des femmes, c'est les deux. Mais tout être humain sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne avant même que les gens lui donnent quelque chose. Hatta al-ulama diyalna rahimahumullah et hafidallah al-jami'a, ceux qui sont encore vivants, il te dit que même lorsque tu es dans le ventre de ta mère, c'est d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie un ange pour te donner la chose la plus importante, an-nafs, l'âme.
Même ta mère, tu es dans son ventre, elle ne sait pas te la donner. Elle ne sait pas te la donner, cette âme. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le décide. Eh bien, ils ont dit que c'est comme ça dans tous les domaines. Il n'y a rien qui peut être donné si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne d'abord en premier, avant même qu'on lui demande. Hatta même, ya shabab, des fois, tu peux avoir risque qui arrive vers toi et tu as peut-être même pas demandé. Un exemple, ici en Belgique, il peut arriver des fois, tu ouvres la boîte aux lettres, tu ouvres une lettre et puis tu trouves, nous vous remboursons, par exemple, 1000 euros, là, quelque chose, un calcul qui vient d'il y a 10 ans. Là. Toi, tu n'as rien demandé. Et on te dit, wallahi, c'est un risque qui était écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même si toi, tu pensais que tu n'allais rien avoir, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà Allah radhiyakum, pourquoi est-ce qu'on vous dit à les jeunes, même nous tous en vérité, mais comme je vise spécialement les jeunes, même quand vous êtes touchés par une situation, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup d'entrées, machakil, kada, sachez que wallahi, ce qui est destiné, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous arriver. Toi, on te demande juste tawakkul ala Allah. Rattache-toi à lui subhanahu wa ta'ala. On te demande aussi le yaqeen et la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner. Mais il faut qu'il y ait une belle relation. De la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est souvent quand il y a, vous rappelez au mois de juin, regardez comment le temps il passe vite. Au mois de juin, quand on s'est vu, on parlait des examens, ça, oulala, qu'est-ce qu'on disait? Il y en a plein, ils ne prient pas pendant l'année. Wallahi, kitaounou. Ils délaissent la prière une fois oui, une fois non. Et puis quand arrivent les examens, tout le monde lève les mains. Tout le monde veut la réussite. Ça, c'est un jeu catastrophique que des fois l'être humain il fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas faire cela. Parce que son rôle, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala continuellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te pourvoit donc en bien. Et c'est pour cela que certains salaf, ridwallah alayhim, rahimahullah, quand nous connaissons, ils disaient qu'on venait chez eux, que nous avons des gens qui nous ont أحد المشايخ مثلا شيخ الشيخ اللي يقول يا شيخ ارتفع ثمن القمح ولا ثمن كذا ثمن كذا دونك يقول voilà il y a le prix de telle et telle denrée elle est élevée elle a augmenté et il leur répondait انا لا ابالي comme pour dire انا c'est pas mes affaires امرني ان اعبده وعاهدني ان يرزقني très simple الله اكبر ça c'est le yaqin. Il leur disait, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il m'a ordonné? Il m'a ordonné de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Voilà, il te dit, moi, je l'adore. Et il te dit, mais à côté de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné sa parole, qu'en échange, lui, qu'est-ce qu'il me donne? Al-Rizq. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ صح ou لا? Al-Razzaq, on l'a déjà vu, hein? Vous rappelez l'année passée. C'est qui? Qui te pourvoit en bien? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, tu abudes Allah subhanahu wa ta'ala, lui te donne des biens. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Les gens, ils veulent recevoir, mais ils ne veulent rien donner. Allah, ils veulent recevoir, mais ils ne veulent rien donner. Comme on le voit, par exemple, un simple exemple, dans la Zaka, encore mélangé, des fois, des jeunes qui viennent, ils me disent, voilà, Ustad, il y a des amis, ils travaillent, ils ont des salaires pendant toute l'année, ils économisent, ils ne sont pas encore mariés, et il a une certaine somme d'argent, tu lui dis, tu dois sortir la zaka, il te dit, non, c'est moi qui a travaillé, c'est moi, c'est même presque ce qu'on appelle les prémices du kofr. Ou hatta chez certains savants, c'est déjà même du kofr. Tu renies la zaka, wallah, tu es kafir billah. Tu remontes, encore qu'on a beaucoup, il ne la donne pas. Il reçoit, ou hatta l'ulama diyana zallah, il te dit, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que l'on donne la zaka. Elle est dans les piliers de l'islam, comme on voit dans le hadith authentique. Bouniya l'islamu ala khams. Sah ou lala? L'islam a été bâti sur 5. D'accord? Shahada, la prière, le jeûne. Puis on parle de la zakat. Et puis le pèlerinage. Donc c'est pour ça qu'on a sadaqa et on a zakat. Sadaqa, tu es libre. Il y en a qui ne donnent rien. Zakat, tu n'as pas le choix. Walhamdulillah qu'Allah l'a instauré. Parce qu'au moins tu donnes. Et même comme ça, il y en a de nouveau, ils ne veulent pas donner. Donc c'est un gros souci. Et tout ça, c'est une preuve que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas sérieuse. Et on le voit dans la présence, que ce soit lors des prières à la mosquée, que ce soit lorsqu'il y a des conférences en arabe ou bien en français. Hein, des fois même nos imams, quand ils font en arabe, il n'y a presque personne qui vient. Et comment tu veux que le cœur il se charge de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? On n'amène pas les enfants,
normalement les parents, c'est un de leurs rôles. C'est un de leurs rôles. Moi-même, quand je sors pour aller à la mosquée, je préviens mes gosses, ils ne sont pas obligés de venir m'écouter à moi. Il y a peut-être un autre professeur qui donne cours ailleurs, je leur dis. Je leur dis, Jama'a, Enam, c'est bon. Voilà. Tu es obligé de le rappeler. Pour que tu puisses comprendre cela, quand le jour tu as un examen, pourquoi on a des couples qui divorcent, Yachabab ? Pourquoi ce rappel, il est fait pour qu'on réfléchisse. Sinon, vous pouvez aller lire à la maison sans venir. Mais c'est pour que je vous apporte des expériences. Pourquoi est-ce qu'il y en a même qui divorcent à cause de l'argent ? Il n'y a pas assez. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alash. Parce que de nouveau, il n'y a pas de fiqh Allah subhanahu wa ta'ala. On croit que dès que l'argent va diminuer, les problèmes vont commencer. Non, au contraire, l'argent diminue. Notre contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'arrête pas, il ne diminue pas. Nous, on a des couples, quand il y a l'argent, les ibadah, ils sont bien. Et puis dès que subhanallah, l'argent diminue, ou un travail est parti, ou bien il y a eu faillite, ou il y a... Là, subhanallah, le comportement, il change. Quand des fois, comme vous le savez, je fais des médiations de couples et autres, quand des fois tu les as alors en face de toi, très souvent, ils me parlent d'argent. Oui, mais avant, on avait, mashallah, et avant, on avait. Et ouais, donc dès qu'il n'y a plus, alors c'est fini. Ça sous-entend que tu ne reconnais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mannan, il te donne en tous les temps. S'il t'a donné 10 000 l'année passée, c'est qu'il y avait un bien, il y a une hikmah ilahiya, qui fait que par exemple, cette année, il te donne 1 000. Il y a une hikmah, il y a une sagesse. Accepte-la, réfléchis. C'est toujours un bien. Hatta même pour le jugement dernier, Shabab. Hatta yom al-qiyama, quelqu'un qui doit passer un hisab pour 10 000 euros, c'est pas le même que celui qui va passer un hisab pour 5 euros. C'est juste ou pas? Des fois 5 euros et tu peux aller dans le Jannah, des fois même 5 euros et tu peux aller dans le Jahannam. Pourquoi? Comment est-ce que tu as employé ces euros? Il ne faut pas vous dire dans votre tête que celui-là qui est pauvre, mashallah, miskin, direct le Jannah. Il se peut qu'il est pauvre et que dès qu'il a l'argent, il les utilise dans le haram. Et à l'inverse, quelqu'un peut avoir 10 000 où il saddaq, il fait plein de choses et il a le Jannah. Et quelqu'un peut avoir 10 000 mais dans le haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut l'envoyer dans le Jahannam, wa la'yadu billah. Donc quand il y a un problème, un souci, l'argent diminue, kada, Allah yarda alikoum. Nous tous, ça nous arrive, on se retrouve au chômage, on se retrouve dans plein de situations. Rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le mannan, il va te donner. Tu vas recevoir. Aussi, on vous dit que lui, subhanahu wa ta'ala, il n'est, quand il est al-mannan, il n'est redevable envers personne. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, ma kitla b'hatan shi wahid rudlu shi haja, abadan. Jamais, jamais, tu as mangé, et puis tu as eu un ange qui est venu et qui t'a dit tu dois remettre le prix de quelqu'un a déjà eu ça ? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala qui a-t-il ? Lakin nous, on est redevable envers lui subhanahu wa ta'ala. On doit le remercier. Et voilà pourquoi par exemple, quand on mange, qu'est-ce qu'on dit ? Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana. Sahulala. C'est l'almuha nouladna. Ou il a allumnaha nouladna, c'est un shurhul ou madadadadadoua. C'est un shurhul. C'est-à-dire, on doit l'apprendre à nos enfants, mais on doit leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Pas qu'ils répètent tout simplement, des fois on est content. Ah, t'as vu, il connaît la dua. Et il répète Alhamdulillah, la dhat aman. Pourquoi tu dis Alhamdulillah? Et pourquoi quand tu pries 17 fois par jour, tu répètes le Fatiha? Al-Subh, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Asha, ouzid, subhanallah, sunan. Tous les surérogatoires, nawafil. Amma minimum, kham salawat, 17 fois tu dis surat al-Fatiha. Et 17 fois, subhanallah, tu commences par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Alash. Deuxièmement, 17 fois, même le pauvre qui prie, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et même le riche musulman, Wallahi rahma anfir, même s'il a le cerveau le plus sophistiqué de la terre, il doit dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, on n'est rien. C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui n'a pas besoin de nous, Yashabab. Nous avons besoin, donc, de lui. Aussi, Al-Mannan, les savants, ils ont dit par rapport aux invocations, Al-Dua. Et subhanallah, combien de fois même dans les durus, allez revoir les conférences qu'on a fait sur l'invocation. Il te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne remet pas la main du serviteur lorsque celui-ci lève sa main et l'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala, amru mayrud khalib. Jamais tu vas lever les mains, tu l'invoques et il ne va pas te donner. Mais tu dois aller étudier les bienséances. Ça veut dire qu'il y a tout un comportement. Da'iti, stinna. Atqallash. Le temps ne presse pas. Il y en a, ils invoquent, ils te disent oh, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il m'annan, il donne, j'ai invoqué, il ne m'a pas de. Naam. Parce que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait.
toi tu ne sais pas. Mais des fois, il se peut que s'il te donne l'argent maintenant, t'es fini. La preuve, vous avez vu autour de vous, il y a des personnes, subhanallah, quand ils étaient pauvres, ils étaient gentils. Nahal irjou, mashallah, mdabbarin, ils ont, hein, andoum le mdkhoul, qui est grave. Qu'est-ce qu'il s'est mal, qu'est-ce qu'il chouffait, il descend, il marche comme un, hein, quand il va au bled, là, il marche comme un. Il y a des gens, ils étaient pauvres, tu le vois, il est très noble, simple, humble. Dès qu'il a un peu d'argent, tu le remets, subhanallah, il a changé. Il commence à devenir orgueilleux devant les autres, il commence même, on le voit hein, souvent, juillet, août. C'est la vérité, juillet, août. Combien de nos frères dans nos pays, Maroc, Algérie ou en Afrique, partout, ils nous le disent. Ils disent voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, manna alaykoum, il vous a donné le risque. Alhamdulillah, psahtkoum, hakim, pourquoi venir et spécialement les jeunes, des fois. On le voit sur Facebook et autres, vous savez très bien, je rentre dans plein de forums et pseudos. Hein. Tu n'as jamais me trouvé avec Haddash, écrit Haddash, donc ça c'est normal. Et je rentre avec un. Et je passe ça avec Dali, ça passe qui ? C'est là qu'on. Vous trouvez l'être humain, hein, vous connaissez tout ça, hein, tout le monde, hein, des 6 jeunes, des fois même, wallahi, 8, qui vont s'associer pour une petite voiture, à 8. Et chacun dans son quartier, il fait le malin, puis il dit non, non, je l'ai prêté à un ami, voilà, ils ont fait un marché, de midi à 2h, c'est toi, de 2h à 4h, 4h à 6h, hein, chacun il met 20 euros, et il alloue pour 2 semaines, 3 semaines. Et puis j'ai dit que bar ala ibadallah, là, ce n'est pas de cette manière que tu montres justement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Au contraire. Donc quand on fait, hein, subhanallah, l'invocation et qu'on te dit attention, attends, matqallak, c'est justement parce que l'être humain, des fois, il peut changer. Lui, il ne le sait pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'est-ce qui est bien pour toi. Fahmadallah, dis-toi, si maintenant j'ai peu, alhamdulillah, c'est qu'il y a un bien. Et si j'ai, hein, shabab, si des fois on a plus. Et qu'on n'arrive pas à gérer, est-ce que c'est un bien ou un mal ? Ça peut être un mal, parce que tu vas devoir rendre compte. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-mannan, lorsque tu es touché aussi par des peines, par des problèmes, des mashakil, on te dit, subhanallah, Allah adha alikum les jeunes, qiyam al-layl, on te dit, thulut al-akhir min al-layl, dernier tiers. Souvent maintenant, plus ou moins, 2-3 heures avant la prière de subh. Donc, subh, il est 5h10, plus ou moins, lève-toi, dans la tranche de 2-3 heures avant. Souvent, on partage en 3 de le Maghreb jusqu'à. Hein, prends jusqu'à Subh. Prends avec le petit dernier. Lève-toi un petit peu avant. Dri. Et là, tu vas voir tes peines, tes problèmes. Alors, je pense qu'à ce moment-là, tu es entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Maki ma'ak, tashi wahid akhar. Tashi wahid maki chouf. تشي واحد ما كيتشوف حتى النوعيه ديال الدعاء ديالك وكيفاش كتعمل واش كتبكي واش كذا واش ابدا tu es tout seul entre toi Allah subhanahu wa ta'ala personne ne voit ton style d'invocation ni ce que tu dis est-ce que tu pleures est-ce que ابدا c'est entre toi et lui subhanahu wa ta'ala et bien les ulama disent que al-mannan c'est celui que quand quelqu'un il invoque et qu'il a des soucis et bien il dissipe ses malheurs il dissipe les soucis de son serviteur subhanallah hadna hal insan abki da'i subhanallah bil khushu' min qalbu جو في الليل والله لا عليك يكمل كي يحس بالاطمئنان quelqu'un c'est testé éprouvé quelqu'un qui se lève la nuit tout seul invoque Allah subhanahu wa ta'ala de son cœur avec certitude rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala والله quand il termine il le sent il est apaisé vous savez pourquoi لأن الملف ديالك ton dossier نزلته بين العلم بين يدي الله سبحانه وتعالى tu l'as mis entre les mains de qui d'Allah subhanahu wa ta'ala ya shabab un dossier que tu déposes entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire mieux sur terre personne encore l'être humain baqil bachar il a jeté andou ala shi musaada yhamqak arja ghadda sirkada jibli hadi je parle même pas de ceux qui demandent sahab al-rishwa et compagnie donc l'humain quand tu vas lui demander un service c'est compliqué il peut te faire aller venir il peut te demander des pots de vin il peut faire Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-mannan, car c'est lui qui l'a. Il n'a pas besoin ni pot de vin, ni quoi que ce soit. Tu ne dois même pas, tu ne dois même pas aller à un barih, un musolé pour aller sacrifier, comme il se passe souvent chez nous en Afrique, depuis l'Afrique du Nord jusque le Sud. C'est juste ou pas, hein, nos frères africains, que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique chez nous, tout ce qui est les musolés, adriha, musayba, hein, juillet, août, plein de fêtes. Plein de fêtes au Maroc dans des musolés où Makin Ardbah ou l'Ajoula qui font le prix d'une Porsche. Makin Ardbah. Ah, on sacrifie pour un mort.
et on le dépose là, et après c'est l'autre qui vient de prendre ça en shlatiak. Non. Si tu as besoin, c'est pas le mort qui va te donner. C'est ni un charlatan ni personne. C'est qui donne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin ya shabab, encore aujourd'hui. Atchikam Allah subhanahu wa ta'ala, harbu. Ursulna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, والرسول صلى الله عليه وسلم حارب هذه الأمور هذه. هذا سما combattu tout ça. الله سبحانه وتعالى combattu tout ce qui est le polythéisme associé à الله سبحانه وتعالى. Et même comme ça encore aujourd'hui, vous le voyez, il y en a qui continuent à le faire. Et ils oublient que, et souvent quand ils font cela, ils veulent un intermédiaire, ils veulent aussi une demande, et ils oublient que celui qui donne c'est qui? C'est الله سبحانه وتعالى. Aussi الله سبحانه وتعالى dans une autre manière, قال qu'il est منان. Lorsqu'il t'interdit de faire des choses qui sont illicites, et lorsqu'il te montre et il t'apporte des signaux pour aller vers ce qui va t'apporter un bien, ça, subhanallah, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pourvoit en bien. C'est lorsque, ya shabab, durant votre vie, vous remarquez certaines portes qui vous sont ouvertes, et vous avez des gens bien qui sont autour de vous, et qui vous disent, l'ardali, va vers telle porte, fais ce bien, va. On te dit, Ada, c'est un bien émanant et venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma wal'idhu billah, si tu passes ta vie et qu'il n'y a personne qui t'aide, ni qui t'ouvre le chemin, ni qui te montre un bien à faire, c'est catastrophique. Parce que comment tu vis alors? Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Ah, mouchkila. Et on en a autour de nous. Anna ba'd shabab, ba'd nas, ma kiqad muhtashi khayr. Muhtashi bab khayr, ma katiftah lum, abadan. Il y a des gens, Allah, aucune porte ne l'aurait ouverte, que ce soit pour faire le bien. Vie monotone, il n'apporte aucun bien, même à la société. Il mange, il dort bien pour ceux qui travaillent, c'est la même chose, lundi, mardi, mercredi. Non, on te dit, bouge, montre ta foi, montre ta pratique, et tu verras alors tous les bienvenants d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les portes qui vont s'ouvrir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi Allah rida alikoum, Allah subhanahu wa ta'ala, un des bienfaits immenses qu'il nous a donné. Donc le mannan, il donne, صح? Et il donne que des choses qui sont bien. Le ulama qalou, parmi ce qu'il nous a donné et qui a une valeur immense, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela dans sourate Ali Imran, il dit laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim رسولا من انفسهم. شكون هو؟ سكي هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما يتدي لقد من الله من كيسا الله سبحانه وتعالى سكي لالو المنان. C'est lui qui, سبحان الله, a été, en français on dit, d'une extrême bonté. C'est-à-dire qu'Allah سبحانه وتعالى dans ce verset, Allah سبحانه وتعالى a été d'une extrême bonté. Pourquoi? Et envers qui? Le pourquoi? Parce qu'il a envoyé parmi nous un prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à qui? Aux croyants. Subhanallah. Parce que laqad manna Allah ala al-mu'minin, les croyants. De nouveau, ya shabab, ce plus grand des bienfaits. On en profite, nous? Je donne cours le mardi de Sir al-Nabawiya, je le dis aux jeunes. On ne connaît pas notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si quelqu'un prend un de ces appareils qui coûte très très cher, de luxe, et te l'apporte, te le donne, wallah, tu vas aller l'étudier toute la nuit. Tu ne vas pas aller dormir. Tu vas vouloir l'essayer. Rappelez-vous, même les plus jeunes, tu reçois la première tablette, premier smartphone. Qu'est-ce que tu fais? Tu le déposes, tu vas dormir. Jamais. Wallah, l'être humain, il est capable de rester 2 heures à côté de ce téléphone pour savoir comment il fonctionne, les options, cadre, et tu le trouves heureux. Au mariage, il n'est pas fatigué. Et si jamais il ne marche pas, il est malheureux. Et spécialement s'il a reçu un samedi fin de journée que le magasin est déjà fermé et que le dimanche c'est fermé. Alors, il râle. Et il attend le lundi avec impatience. Hein, pour faire travailler la petite machine là. Et nous on te dit, on t'a donné mieux que n'importe quelle chose tu pourrais imaginer sur cette terre. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallah ya shabab saraha. La vérité, ni on connaît sa biographie, le hayat diallo comme il faut, ni on pratique sa sunna, ni on connaît sa sunna comme il faut.
Et tout le monde qui donne des avis, et tout le monde qui mélange, et tout le monde qui, comme vous voyez sur Facebook, par exemple dans ma page, je suis tout le temps bloqué. Il y en a qui s'énervent. Il y en a, ça, je m'en fous. Celui-là qui veut s'énerver, comme nous disaient nos parents, toute personne qui monte au plafond, il va redescendre du plafond. Et c'était malin les anciens là. Laisse-le, il se trouve. Adi Haoud. T'as déjà eu quelqu'un qui s'est attaché au plafond, il est resté. Ah badan, il redescend. Après, il n'a qu'à se devant toi. Et voilà, tout le monde doit parler. Tout le monde te dit, oui, dans la sunna, c'est faux. Il n'a jamais dit ça le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout le monde parle. C'est incroyable. Dans le domaine du faux, tout le monde parle. Mais dans le domaine de ce qui est juste, on ne trouve pas beaucoup de monde. Donc la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mode d'emploi. C'est l'exemple que tu es censé suivre durant toute ta vie. Dès que tu ouvres les yeux, le matin, wallah, dès que tu ouvres les yeux, la sunna, elle commence. Sors du lit, qu'est-ce que tu vas faire? Dua, même si tu vas à la toilette, ou à la douche, par quel pied tu commences? Quelle invocation de nouveau yahir? Donc déjà, dua au moment du réveil, quand tu sors du lit, au moment de rentrer à la toilette ou à la douche, ou des invocations, tu sors des invocations, même quand tu mets des habits, tu sors de la maison, invocation, même avant de sortir, quand tu manges, tu déjeunes, invocation, tu manges le halal, tout ça c'est pris de où, Echabel? C'est pris de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on connaît quelques petits trucs. Et puis si jamais on a un problème, on commence à se renseigner sur... Et chez qui on va aller? Ça, c'est encore un autre problème. La preuve, vous voyez-vous, même la da'wa en Belgique, chaque année, je vous le dis, elle diminue beaucoup. 2 mois de congé, pas de doros. Hein. 2 mois de congé, hatta, je ne veux pas rentrer dans les détails, hatta wahl... Had Massajid, une mosquée, comme je ne suis pas parti en congé, j'avais proposé comme ça. Je dis, est-ce qu'il voulait qu'on fasse Doros pendant les vacances? Chababli, qui reste, m'a dit non, les vacances, on ne fait pas de Doros. Khalid Bet les 3. Et on mettra charge en septembre. Bon, bah, imaginez, hein, même la da'wa s'arrête pendant les vacances. On peut se reposer, on peut, même nous, il n'y a pas de problème, on peut voyager. Mais, par exemple, moi je vais voyager, il y a un autre da'iya qui va aussi à faire un daf, puis des fois à Ousmane l'imam, ou là le remplaçant l'imam, il fait une petite kalima, ou il y a ma chère. Non, il y a des. Là, il y a certains, c'est en Belgique, c'est la mosquée, il dit là, les vacances, ça fait, voilà, un kalou, doro, ça fait, alhamdulillah. Ça, oui, tu peux entendre ça, ou Lidl. Par exemple, le Lidl, il peut dire qu'après décembre, ils ne vont plus de sapin. Tire-tout, on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. Je me suis dit, ouais, j'aurais besoin. Abonnez, comme ça je mets dans mon jardin, comme ça les voisins, je suis tranquille. Non, on va dire, c'est pas le moment. Non, maintenant on fait la même chose même dans certaines mosquées, ça s'arrête. Alors que normalement, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doit être enseignée toute l'année. Quand, rahimahullah, quand ahad mashayikh, Cheikh Sadiq Sharaf, Allah rahmou, ou les dindiens de nos parents, ils le connaissent. Un égyptien, un al-Azhar. Allah yarhamu bi rahmatillah sfidallah, tabarakallah. Moi je l'ai connu dans les années 80. Et j'avais eu cours un an complet avec lui dans la Aqida. C'était un de Merkez aussi. Et c'était avant le Merkez, c'était un des du'ats qui tournait aussi dans les quartiers, dans les mosquées. Quand, subhanallah, il avait une ada, il avait une habitude qu'il donnait cours de sira toute l'année. Toute l'année. Il terminait, Aoudi reprenait. Et tu avais toute une silsila de sira. Mais toute l'année, il y avait un dars sur le prophète, sur sa biographie. Est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui dans nos mosquées? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, là, Bruxelles, tu peux aller à telle ou bien 5-6 mosquées où tu vas voir, quoi qu'il arrive, la sira qui est donnée toute l'année? N'importe qui arrive, il va entendre parler du prophète. Il n'y a plus ça, c'est fini. Et c'est important, l'ard alikoum. Sinon, vous allez voir, on n'aura plus rien à transmettre, même à nos enfants. Ce ne sera même pas leur transmettre quelque chose. Et déjà, ça a commencé. Il y en a qui ne savent pas transmettre à leurs enfants parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas la matière. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit qu'on doit le remercier, c'est parce qu'il nous rappelle « وَإِذَا أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenus.
C'est-à-dire, il t'a'adhana rabbukum. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. Et il nous a prévenus, il nous a rappelé quoi? Il nous a dit, la in shakartum. Qu'est-ce qu'on a dit à Shabab tout à l'heure? Ça, vous revenez dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 7. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne. Mais on nous dit, tchouf, la in shakartum, tchouf le mannan. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est celui qui donne. Yak, sans compter. La in shakartum, il y a un shart. Il y a une condition. Vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne. Tu remercies, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne. Mais, si jamais tu n'es pas reconnaissant, ou la in kafartum, et on peut avoir de différentes manières, hein, tu peux avoir cela qui kfar, qui renie complètement din, comme tu peux des fois aussi avoir des personnes, subhanallah, qui kfar, par rapport à ni'amillah, subhanahu wa ta'ala. Il reçoit, mais comme s'il fait comprendre qu'il n'a rien reçu. Il y a des gens autour de nous, des fois tu entends ça. Tu lui dis, ok, bekhir, kouchine, et tu fais, walou, Allah, il a makin, walou. Des fois, brifié, on dit, kouchine, mout. Mais tout est mort. J'entends ça des fois, m'adrèle, comme ça, il parlait, il dit, kouchine, mout. Ça m'a dit, kouchine, m'a pas walou, Allahu Akbar. Comment ça m'a pas walou? Et ça, ya shabab, c'est un signe. Wallah, il fait peur, c'est pour ça qu'on est là pour faire des rappels entre nous. Mais ça, c'est un signe qui montre que la personne n'a même plus de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre aussi que cette personne, il utilise des bienvenants d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne le remarque même pas. C'est comme si quelqu'un il a une veste et puis non, j'ai pas de veste. Allah il dit que tu as une veste, non, j'en ai pas. Il a dit à mon seba, Allah, tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire? Salaha. Tu dis il mahmaq. Je crois qu'à 80% vous allez dire qu'il est fou. C'est juste. Alors, il a une veste et tu dis j'ai pas. Donc il vit avec ni'amillah subhanahu wa ta'ala, avec les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, non, ma kin walou. Ah, dunya wa'ara, ah, dunya ceci, ah, la vie elle est dure, ah, la vie kada, toujours il se plaint, tout le temps. Là. Si tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est al-mannan, tu ne peux pas être de ceux qui se plaignent. Tu peux expliquer que tu as un problème par rapport à quelque chose, c'est différent. Vous voyez la nuance? On est en droit de venir chez quelqu'un de sérieux, kada, pour demander une certaine aide. Après, d'abord qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, puis on va chez l'humain. Ça, il n'y a pas de... Non, je parle de celui qui passe son temps à se plaindre, qui te dit tout le temps, makin wal, il n'y a rien. Ça, chez nous, subhanallah, en tant que musulman, wallah ya shabab, ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. C'est un comportement de croyant, ça ne peut pas exister. Tu dis tout le temps, alhamdulillah. Et c'est pour ça que nous on dit toujours, ya shabab, et apprenez-le en arabe, on dit toujours Alhamdulillahi ala kulli hal. Ah, la langue arabe, incroyable. Kulli hal, ça veut dire n'importe quelle situation, Alhamdulillah. Wallah, bonne ou mauvaise, Alhamdulillah. Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Il y a une hikma. Asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Tu peux détester une situation et il y a un bien derrière. Et des fois, tu peux vouloir aimer une situation. Tu aurais aimé. Mais Al-Mannan, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il y a un mal derrière. Aussi, on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, dans Surat Al-Baqarah, à Surat 2, verset 152, il te dit « Fadkuruni adkurkum, washkuruli wala takfurun. » Ah, ça, c'est Allahu Akbar, c'est très beau. Vous savez pourquoi c'est très beau? Parce qu'en français, ça te donne que si tu te souviens d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui alors subhanahu wa ta'ala se souvient de toi. Je dis toujours à mes élèves, qui sommes-nous? Je connais, mashallah subhanahu wa ta'ala, dhakarna wallahi. Qui on est? Sincèrement, qui on est nous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il soit reconnaissant envers nous, il nous reconnaît alors qu'on est faible. On n'est pas dans l'adoration, vous avez remarqué, on est dans, des fois dans un minimum. Mais à l'inverse, il te dit que si jamais tu es de ceux qui ne sont pas reconnaissants, tu es quelqu'un alors d'ingrat. L'ingratitude, vous savez, hein, vous avez déjà entendu ça en français. L'ingratitude. Parce que quelqu'un, tu lui fais du bien, jamais il te dit ni shukra, ni quoi que ce soit, rien. Ni jazakallah, rien du tout. Ça c'est une mosiba. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il te fait comprendre. Il te dit, mais, voilà, takfurun. C'est-à-dire que Allah, tu reçois des biens, comme l'exemple qu'on a donné juste avant. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas de ceux qui ne sont pas, donc, reconnaissants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un recueil rapporté, donc dans un hadith rapporté par al-Hakim, qui le rapporte lui-même dans son mustadrak, qui dit
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les premiers à être invités à entrer au paradis. Donc l'ouala d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, les premiers pour qu'ils entrent au paradis, il te dit c'est ceux qui rendent la louange à Allah dans l'aisance et dans l'adversité. Fissarra ou fiddarra. Ça veut dire qu'ihamdullah subhanahu wa ta'ala fissarra ou fiddarra. Hadou, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller un groupe de personnes bien définies. Ça veut dire que ce sont des gens qui font les louanges, ils disent Alhamdulillah, que ça soit quand il y a des moments positifs ou bien quand il y a des moments négatifs. Ça, Allah ibarak. Si tu as ce caractère, si tu as ce système de fonctionnement, Alhamdulillah, dis Alhamdulillah. Wallahi, c'est déjà très très beau. Tchouf al-Rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il ne nous demande pas de faire des choses immenses. Il te dit juste de dire Alhamdulillah, ala kulli hal. Et quand on dit ala kulli hal, c'est comme on le voit dans ce hadith. Dans les bonnes situations, dans les mauvaises situations. Qu'est-ce qu'il te donne comme cadeau? Il te dit ce sont les premiers qui vont être invités à entrer au paradis. Aussi Aïcha radiallahu anha, elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté dans le Bukhari muslim. Elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier longtemps la nuit. Quand il y a le qiyam l'ayl. Vous voyez, subhanallah, la peau de ses pieds, son talon, en dessous des pieds, le talon, le bord ici, il y avait des petites blessures, des petites ouvertures. Elle voyait du sang. Ouyam Skina radiallahu anha, elle le voit prier, puis elle voit avec le sang. Mais elle sait qu'il est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, parce que nous savons que le prophète sallam ghafara Allah lahu subhanahu wa ta'ala ma taqaddama wa ta'akhkhara min dhanbi. Sah ou la? Il a tout pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala a tout pardonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est ma'soum sallallahu alayhi wa sallam. Il est infaillible. Elle lui dit alors cela. Elle lui dit, ya Rasulallah, tu es quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout pardonné. Et c'est comme pour dire, tu arrives jusqu'à ce point-là à te faire mal. Tu pries la nuit, on voit même du sang sortir de tes pieds. Et il lui a dit, alors est-ce que il ne m'appartient-il pas donc alors de me comporter en homme reconnaissant, un abd qui est chakour? Oh subhanallah. Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, est-ce que je ne peux pas montrer que je suis quelqu'un qui est reconnaissant, qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il lui a donné? Parce qu'effectivement, huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un être humain, huwa bashar. Il n'est pas malak, ce n'est pas un ange. Il est bachar, mais subhanallah, il reconnaît et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a choisi lui parmi tous les êtres humains qu'il y a eu sur cette terre pour qu'il devienne prophète. Et il remercie. Et le shukra, il est toujours demandé dans notre religion. Vous l'avez remarqué. Anishkur liwa wa liwalidayya. De nouveau même, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala demande qu'on le remercie à lui, mais et on invoque, on fait cette invocation. Et on demande. Et imaginez-vous, subhanallah, vis-à-vis de lui, nos parents, la reconnaissance qu'on est censé montrer aussi à nos parents par rapport à tout ce qu'ils nous ont donné. Je ne parle pas des exceptions. Hein, souvent, quand dans les doros, je parle du respect envers les parents, souvent, des fois, le soir, des jeunes, ils m'écrivent, ouais, mon père ne m'a jamais rien donné, il nous a délaissés, il nous a abandonnés, ou bien ma mère, ou bien, invoque Allah pour eux. Ah, Dindiana, il est incroyable. Allah, même si ton père ne t'a jamais rien donné, t'as abandonné, on va dire. Tu veux être un enfant pieux, waladun salih, da'ilou. Da'ilou, invoque Allah pour lui. Comme disaient nos mashayikh, c'est qu'après Allah subhanahu wa ta'ala, lui et ta mère, ils sont la cause de ta présence sur terre. Et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait immense. Après, il y a les dossiers les plus catastrophiques. Allah yahdi al-jami'a, et ça c'est autre chose. D'accord? Ça c'est important. Maintenant, on va passer à un deuxième nom. On va voir trois noms aujourd'hui, Inch'Allah, Bidillah. Le deuxième nom, le 81, à peu près dans les comptes, c'est Al-Hayyu. Ah. Certains d'entre vous, ils ont peut-être remarqué, ils ont dit, Inch'Allah, il a eu un problème avec sa langue. Parce qu'il y en a qui ont étudié un peu, il y en a qui savent de quoi je parle. Puis il y a des jeunes qui ont des fois un peu dit, puis ils disent, non, normalement, c'est Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyu. C'est juste, hein? Et ceux qui suivent le cours depuis l'année passée, ils doivent sûrement se dire, mais Al-Hayyu, on l'a vu, peut-être l'année passée, Al-Hayyu.
Mais ici, on te dit Al-Hayyu. C'est quoi ce. Hein? Parce que ça ressemble, mais ce n'est pas le même mot. Ah, ça ressemble, mais ce n'est pas le même mot. Et vous allez voir pourquoi. On a tout d'abord Ya'la ibn Umayya. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme se lever en plein air. Et cette personne, subhanallah, c'est comme s'il était là-bas. Et il s'est pas couvert. Il est resté nu. Ça arrive, certains le font comme ça pour aller se laver et tout, à l'extérieur. Comme ça. Et les gens, ils voient. Enfin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est monté directement sur le minbar, wa hamid Allah, il a fait les louanges à Allah, subhanahu wa ta'ala, et puis il a dit aux gens, certes, Allah, subhanahu wa ta'ala, est pudique. Allah, hayyun. Donc, le petit ya, comme s'il y en a deux. La pudeur. Al-haya. C'est pas le hayat, la vie. Et en arabe, des fois, il y a une petite lettre qui change, ou une prononciation, et on peut se retrouver avec un autre mot. Donc, il leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est pudique et protecteur. Il aime la pudeur et le voile. Et il dit aussi, quand l'un d'entre vous se lave, qu'il se couvre. Mais, il faut toujours aller voir les explications. Voilà pourquoi on dit, les shabab diyanah, n'allez pas lire tout seul sur Internet. Parce que si tu prends le hadith comme ça, tout simplement, tu vas croire que quand on se lave, nous les musulmans, on doit toujours être habillés. Comment tu vas te laver? C'est juste ou pas? Ou bien il doit se couvrir? Kif. L'imam Nawawi, rahimahullah, et on le voit dans le Sahih Muslim, l'imam Nawawi, il a mis un chapitre même qu'il a intitulé qu'il est autorisé de se laver nu, mais dans un endroit isolé. La preuve, toi, quand tu rentres dans ta salle de bain, tu fermes ma clé. Tu peux te laver tout nu. La houaïj. Il n'y a aucun souci. Même quand tu es privé dans ton lit, on te dit, tu dois être isolé. Tout le haya chez nous, la pudeur. Je ne vous fais pas de dessin. Hein. Vous avez vu des fois certains endroits, ce que certains y font. Nous, en tant que musulmans, voilà, il y a cette pudeur-là. Je sais très bien, d'année en année, on le voit, ça dérange. C'est pour ça qu'il y a toujours ces polémiques par rapport à plein de sujets, piscine, cada, ceci. Des fois même, certains qui suivent partout sur Facebook, dès qu'ils voient une activité où, par exemple, les sœurs vont être toutes seules et que c'est quelque chose qui a à voir avec le corps. Hein, il y a la pudeur, le haya, directement à certains, ils attaquent. Oui, regardez, c'est quoi ça, kada, hadil, na'am. C'est notre fierté. Nous, en tant que musulmans, chaque groupe, que ce soit ceux qui sont athées, chrétiens, chaque groupe, il a sa manière de fonctionner. Nous, on a des petits sujets qui sont comme ça importants. Al-haya, shu'batun mina, il a l'iman. On verra dans un autre hadith authentique. C'est une des branches de la foi, la pudeur. C'est une des branches de la foi. Et, alhamdulillah, comme disait, c'est la vie de la majorité des savants, d'ailleurs, si jamais tu veux te laver, et que là, qadarallah, tu es à l'extérieur, tu es quelque part, il te dit, toujours, essaye de trouver un endroit où personne ne va te voir, côté être humain. D'accord, Shabab ? Ça, c'est important. Et pas se dire, parce qu'on est entre hommes, ou la kadar. Hatta même entre hommes, comme vous le savez, et il y a ce qu'on appelle l'aura. Ça, houlala. Et l'aura, du nombril jusqu'au genou. Le ulama khtalfo, hein, le genou, ils ont dit, est-ce que c'est le début du genou ? Ou bien ils ont dit le genou complet. C'est très bien, il y a une divergence là-dessus. Lakin, malgré voilà, le nombril jusqu'au genou. Là, aujourd'hui, je sais très bien, avec toutes les modes qu'il y a maintenant, tu dis à nos jeunes, tu lui dis voilà, quand tu vas à la plage, et même si tu vas que entre garçons le soir, ou à multi par exemple, du nombril, il va rigoler, il va dire papa, c'est quoi cette mode-là de salouage qu'on nombril ? C'est la honte, non ? Ah ouais, il va te dire c'est quoi ça ? Il y a que Khanaf Hadiham de Salouan, Tamla à la Kershou. Il y en a, ils rigolent de ça. Eh non, c'est sunna. Tu rigoles de ça, tu rigoles de la sunna. Je sais que c'est compliqué à accepter, à faire comprendre et tout. Il n'y a pas de souci. C'est pour cela que, par exemple, avec toutes les nouveautés dans les magasins de sport, la plupart des jeunes, alhamdoulilah, font attention à ces détails-là, ils achètent des shorts cyclistes. Un short cycliste, comme élastique, et qui monte jusqu'au nombril, jusqu'au genou. Et après, ils peuvent mettre alors un short normal, s'ils ne trouvent pas un bermuda, des choses comme ça.
Alhamdulillah, ça c'est des choses dans notre pratique religieuse. C'est pas pour rabaisser ni l'homme, ni rabaisser la femme, ni quoi que ce soit. Mais dans notre religion, c'est un comportement qu'on a nous, entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et donc les jeunes, il faut attention à ça, petit à petit ils avancent. Voilà, ailleurs, parce que maintenant avec toutes ces histoires d'attentats et compagnie, comme vous le savez, ça a été comme, entre guillemets, une petite excuse vis-à-vis de ceux qui, des fois, n'aiment rien. Vous avez remarqué, il y a des groupes, ils n'aiment rien. Ils n'aiment ni les moutons, ni les pratiquants, ni les mouches. Ils n'aiment rien. Il n'y a qu'un dossier, ils doivent crier. Il y a des gens comme ça, tu ne sais rien y faire. Laissez parler, il n'y a pas de souci. Voilà. Des jeunes, ils s'énervent, ils commencent là, laissez-les parler. Toi, le principal, tu as des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ton possible. Ni tu insultes les autres, ni quoi que ce soit. Tu mets en pratique ta sunna et tu avances jour après jour. Aussi, lors de l'invocation à dua, maintenant on revient, vous vous rappelez dans Al-Mannan, quand j'ai parlé de dua, je vous ai dit ça va venir. Eh bien, Salman al-Farisi, c'est ce hadith-là de Salman al-Farisi radiallahu anhu, qui est rapporté aussi par Abu Dawud ibn Majah. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, serve votre Seigneur est pudique et généreux. Il a honte de renvoyer son serviteur les mains vides quand celui-ci les lève vers lui. Allahu Akbar. C'est-à-dire, tu lèves tes mains, on l'a expliqué, on ne va pas à table de dos. Tu lèves tes mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala miruddakch khayb. Miruddakch. Il ne te renvoie pas les mains vides. Ça veut dire, il a subhanahu wa ta'ala entendu ton invocation. Et il va te répondre. Que ça soit maintenant directement ou bien dans une période. Et on le répète encore une fois, il y a une hikmah ilahiya, il y a une sagesse. Ne vous empressez pas. Tous ceux qui invoquent pour se marier, pour trouver un travail. Il y a des jeunes, ils m'écrivent souvent, ils ont terminé leurs études en juin, ils ont reçu le diplôme, pas de travail en juillet, pas de travail en août, qui doit être. Moi je prie, regarde. Hein. C'est comme si on fait un calcul. Tu dis, moi je prie, je pratique, comment ça se fait que je n'ai toujours pas de travail? Et moi j'ai un ami, l'asla, l'araya, rien, ni il prie, il ne fait rien du tout. Il a déjà trouvé un travail, comment ça se fait, kada? Non, c'est entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une sagesse et tu verras le bien que tu auras. Aussi, Allah d'alikum, cet attribut al-hayyu, on te dit que c'est un attribut qui va aussi se traduire par la générosité. Comme on l'a traduit pour le mannan. C'est drôle à dire. Donc on parle de cette pudeur, mais elle est rattachée aussi à une générosité. Je ne sais pas si vous sentez, vous saisissez le sens. C'est comme pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, tellement gêné qu'il te donne. Tu vas lui demander, il te donne. Il est généreux. C'est comme pour dire que même si tu vas lui demander, c'est un exemple, un bic, c'est peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'en donne 10. La preuve, quand tu dis, Ya Rabbi rizqni, donne-moi le risque. Est-ce qu'il te donne un gramme? Vous avez remarqué, il te donne plus. On te dit aussi, il est pudique parce qu'il ne déshonore pas le serviteur. Lequel? Celui qui désobéit. Allahu Akbar. Ça nous touche, nous tous. Il n'y a pas un d'entre nous qui ne commet pas des ma'asi, des mauvaises actions. Même moi qui vous parle. On est tous des bani Adam. Le prophète a dit, kullu bani Adam khatta. Kullu, sans distinction. Et les meilleurs, c'est ceux qui se repentent. La kinchouf, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, on commet des erreurs. Est-ce que, comme on dit en Darija, est-ce qu'il nous vdah? Est-ce qu'il vient et il nous montre, subhanallah, devant les gens, ouvertement? Est-ce qu'il nous dévoile devant les gens? Ah, ça serait une mosiba sur terre. Si nos ma'as et nos mauvaises actions devaient être dévoilées tous les jours, Ramonseba, plus personne n'y parlerait à l'autre. Tout le monde aurait des doutes sur l'autre. Une espèce d'hypocrite. Ça serait une mosiba, Wallahi, Yashaba. Lakin chouf Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire. C'est comme s'il met un voile sur toi, il te couvre. Mais il est aussi celui qui cache. Yak. Est-ce que ça s'arrête là? Et il pardonne. Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa zid fa'fu anna. Allahu akbar. Regardez, on dit qu'il est afoun karim. Allahu akbar. Il pardonne et il fait plus que cela.
il nous cache nos péchés, il les dévoile pas. Et on te dit, subhanallah, sa pudeur n'est pas comme, entre guillemets, la pudeur du Créateur. Lorsqu'on parle de ce haya, cette pudeur, ce n'est pas comme celle que nous, on a. Vous avez remarqué, nous, il y a comme un changement qui s'opère. On voit changement de couleur, kada. On a aussi la peur, comme ça, devant ce qui est blâmable. On voit aussi de nouveau un changement de visage, de ceci, de cela. On te dit, Allah irda'ali, quand tu entends parler de cette pudeur, sache que pour Allah, subhanahu wa ta'ala, walam yakul lahu zi kufuwan ahad. Rien ne lui ressemble. Tu ne peux pas essayer d'imaginer, de comprendre, comme il est mis dans l'ouvrage qu'on étudie depuis l'année passée, la nature de comment est-ce qu'il devient pudique ou qu'il n'entre pas là-dedans. Sache tout simplement la théorie. Elle est là. On sait. Donc comment il est, subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah da'alikum, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit... Il a de la pudeur, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne déshonore pas son serviteur qui perpétue notoirement un acte de rébellion. Bien au contraire, il le couvre puisqu'il est celui qui dissimule souvent et pardonne. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah, tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il couvre. Et Ummu Salama radiallahu anha, rapporté par le Bukhari et le Muslim, elle te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honte de la vérité. Ah, maintenant on va rentrer comme ça des fois dans un mot et il peut avoir comme ça plusieurs sens, plusieurs actions. Ça sous-entend que lorsqu'il y a quelque chose qui doit être dite, on ne parle plus à ce moment-là de pudeur. On parle juste de manière, comment est-ce que les choses doivent être dites. D'accord ? Il y a une manière. Amma, la réalité de la chose, on l'a dit. Ne pas être gêné. Quand ce n'est pas bon, donc ce n'est pas bon. Et on vous dit aussi qu'un homme parmi les pieux prédécesseurs, il disait, j'ai su qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'observe, j'ai eu alors honte qu'il me voit dans sa désobéissance. Ça c'est lorsqu'on arrive dans un certain degré de wara', aussi tout ce qui est dans le domaine de l'ascétisme ou bien wara', lorsqu'on délaisse des choses qu'on aurait pu faire et ainsi de suite, qu'on aurait pu prendre. Il te dit, dès que je sais et que j'ai su qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit, alors à ce moment-là, j'ai honte qu'il me voit dans la désobéissance. Et tout ça de nouveau, Echabab, ça demande un travail. Même moi qui vous parle, tout le monde fournit un effort. On fait son possible. Mais comme vous le voyez, Salaf Saleh d'Allah alayhim, ils prenaient le temps de réfléchir par rapport à leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sous-entend que nous aujourd'hui, avec la vie qu'on a là de 200 à l'heure, des fois on doit faire un arrêt. Ça nous coûte, on doit faire un arrêt. Et réfléchir par rapport à notre vie. Où est-ce qu'on en est ? Réfléchir par rapport à ça, mais vous avez remarqué, ça on le fait souvent, par rapport à notre vie. On regarde le compte en banque, on regarde Kada, on regarde ceci, là qu'il y a un autre compte entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi on doit faire un arrêt. On te dit aussi que la plus grande pudeur, subhanallah, c'est celle qu'on est donc censé avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais il te dit, écoutez-moi bien, on a un hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, apporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah. Il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous devez éprouver la vraie pudeur envers Allah. Et les compagnons disent, ya Rasulallah, nous éprouvons de la pudeur et de la louange. Et la louange, afwan, est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce n'est pas cela, éprouver la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va leur expliquer qu'est-ce que c'est. Il va leur dire donc, la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de préserver la tête et ce qui se trouve dessus, le ventre et ce qui se trouve autour, de se rappeler la mort et la décomposition. Et celui qui veut l'au-delà délaisse la beauté de la vie d'ici-bas. Celui qui fait cela aura éprouvé la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? L'imam al-Mubarak Fouri, il dit, Allah dans son explication de ce hadith-là dans un ouvrage Tuhfatul Ahwadi, il dit préserver la tête, c'est-à-dire que tu n'utilises pas dans autre chose que l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, le cerveau que tu as, la tête que tu as, il dit, quand tu veux par exemple te prosterner, ne te prosterne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc utilise ta tête que dans le halal, que dans ce qui est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu ne te prosternes pas pour quelqu'un d'autre, que tu ne pries pas par ostentation,
quand tu retournes ton visage vers la Qibla pour prier, ce n'est pas pour montrer aux autres que tu es quelqu'un qui prie bien, qui fait ceci ou qui fait cela. Abadan. Il te dit que tu n'humilies pas ton visage pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne te lèves pas par orgueil. C'est-à-dire que subhanallah, n'importe quelle action que tu vas faire avec ce corps, n'utilise pas l'ostentation, n'utilise pas rien. Elle quibre l'orgueil. Et là, tu verras alors à ce moment-là. Tu prouveras que tu es quelqu'un de pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, quand il parle de la protection de la tête lorsqu'on parle du cerveau, c'est aussi par rapport à la pensée, compréhension, à certaines choses qui sont des fois corrompues, des pensées qui sont des fois qu'on n'a pas à voir dans beaucoup de domaines, comme des fois sous Adhan, et on le sait très bien, inna ba'da dhanni ithm. Et des fois, on est là dans des soupçons dans sa tête. On te dit même ton cerveau, subhanallah, et tu dois le protéger. Aussi, ce qui se trouve dessus, eh bien, voilà, la tête, c'est tout ce qui est le visage, les yeux, la langue, les oreilles. Et il y aura une conférence qui arrivera, Inch'Allah, à la mosquée Sunna, je crois, le 15, sur ce qui sort de cette bouche. On est en début d'année, là, on reprend, il faut que certaines habitudes, hein. Eh bien, la même chose, les yeux, la langue, les oreilles. On te dit aussi le ventre. Par rapport au fait de manger tout ce qui est illicite. Parce que lorsque vous mangez du haram, tes invocations aussi sont rejetées. On avait déjà parlé de ce hadith authentique très connu, que nos machers hommes Allah nous le rappellent, de ce rajoul ash'ata aghbar poussiéreux hirsute et qui yamuddu yadahu ila sama, il lève ses mains au ciel. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Mais nourriture haram, boisson haram, habillé dans le haram. Il a grandi, Rodia. Il a grandi dans le haram. Il te dit, comment tu veux que l'invocation elle soit exaucée? Donc on lève les mains pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on te dit avant de les lever, stahil, wallah, et de la pudeur. Comment tu peux voler, faire kada et puis. Il y en a même, subhanallah, pendant qu'ils volent, il dit, Arbi, Arbi, protège-moi. Pendant qu'ils volent, il est fou. Ou bien il a volé, la flotte, il dit, Alhamdulillah, Arbi, m'a protégé. Tu rentres Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un manque de respect immense. Tu rentres Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Aussi, on te dit par rapport à ce qui se trouve autour. Et puis, autour du ventre, on a les parties intimes, les mains, le cœur. Regarde, il descend la tête. Et puis, on a toute cette partie. On a des obligations envers tous ses membres. C'est comme si, subhanallah, shabab, vous avez compris, on te demande de faire attention avec tous les membres que tu as de ton corps, de ne pas les employer dans des situations où il va manquer de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on dirait la testahi. Est-ce que tu n'achèmes pas, tu n'es pas gêné, tu n'as pas honte d'employer certains de tes membres dans le haram, que ce soit le vol, le mensonge, écouter ce que tu ne peux pas écouter, et ainsi de suite. Ah, c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire, je parle rien pour ceux qui sont à l'école, les adolescents. Et je vois le manque de respect que des fois ils ont vis-à-vis des filles. C'est la vérité, j'ai été enseignant pendant des années. On sait très bien, on a des musulmans, on a des non-musulmans autour de nous. On a des pratiquants, on a des non-pratiquants. Tu peux avoir une fille musulmane, parce qu'elle ne pratique pas. Elle est maquillée, ma'adla, ceci, cela, ça n'a rien. Il y en a qui ne pratiquent pas, maquillage, pas de prière, tout ce que tu veux. Ça entraîne Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux faire da'wa. Dans le halal, tu envoies ta soeur, elle lui parle, elle veut pas, wallah, elle est entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, yak, tayyib, les maquiller, tout ce que tu veux, habillé, moulant, n'importe. Et tu vois le petit jeune musulman là qui est derrière comme un. Je vais être poli, je vais pas dire comme un chien, mais comme un chat. Regarde, on va rester poli. Qui l'a suivi. Ils attrapent dans la cour. C'est vrai qu'on voit ça dans des émissions, on dit des racistes. Il y a une émission qui t'est passée, vous vous rappelez, hein, journaliste. Ouais. Et ce qui m'a étonné, c'est que certains, on va dire, Mrabadiyana, dans des discussions, Hiya, qu'est-ce qu'elle a fait? Hiya, m'chat l'bsit comme un peu à la mode, mais un peu léger. Petite jupe assez courte, mais vraiment léger. Et exprès, Amden, elle a été, par exemple, boulevard Le Monnier, boulevard où il y a plein de Qawid, Mrabad, Kouchigal, à l'extérieur, Mouhim, les Maghrébins. On connaît le quartier, on est né ici, on le connaît. Donc ils ont une caméra cachée ou des coups d'amour. Ils l'ont hlèque. Ils l'ont massacré jusqu'à ce qu'elle termine la rue. Et que tu vois dans l'émission, il y en a qui l'ont insulté, il y en a qui l'ont traité hachak de mohen. Ils l'ont. Après, elle leur a dit voilà, allez, maghrébin, regardez. Dès qu'un morceau de viande y passe,
ils deviennent fous. Waht chouha, la honte. Ils utilisent ça, certains. Je crois que tout le monde a une bonne intention. Mais moi, je vais plus loin, je dis ouais. Je dis, en quoi ça vous dérange? Certains dans la discussion me disaient, ouais, regarde quelle mauvaise intention ils ont, ils viennent tester. Je dis, mais si nous on était droit comme il faut, ils peuvent en apporter 200 comme elles. Même Wallahi, Wallahi, il a dit la ilaha illahu. Même toute nue. Et elle passe à boulevard Le Monnier. Le musulman, il lève les yeux. Wallah, mais il lève les yeux. Wallah, taqunto. Ils en auront marre. Elle va faire 10 fois les retours. Je crois qu'elle va même supplier. Oh, je suis là. Hein. Personne qui va la regarder. Radd al-Basar. C'est un amr, sah ou la, amr ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Donc j'ai dit aux frères, j'ai dit les amis là, dans la discussion, j'ai dit le débat il n'est pas là. Je ne parle pas d'elle. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est en Belgique, ça s'appelle démocratie, tout ce que tu veux, appelle ça comme tu veux. C'est son droit. Elle marche dans une rue. Amma-toi le musulman. Non, vous savez très bien qu'on a un problème avec ça. Il n'y a pas de haya. Une fille, qu'elle soit maghrébine habillée à la mode ou une non-musulmane habillée à la mode, moi, comme vous, et qui passe dans un quartier où il y a de drel, ils ne vont pas la lâcher. Après, il y a des raisons. Ce n'est pas que l'arabe, c'est des malades, c'est pas ça, mais aussi, on a un gros souci de mariage qui ne se font pas. Hein, on attend toujours le travail, là. Et nos jeunes, 25, 28 ans, ils sont là, si, pas de mariage, toujours dans un café. C'est normal que, voilà. Et même ça, ce n'est pas une excuse, ce que je vous ai dit, c'est des fautes qu'on a dans nos familles et autres. Chabab, après ça, on en a parlé il y a plus de 1400 ans. Tout est contrôlé. Pas facile. Aussi, Abu Hurayra, il nous rappelle que justement la pudeur fait partie de la foi. Al-haya'u min al-iman, subhanallah. La pudeur, elle fait partie de la foi. Et la foi est au paradis. Tandis que l'obscénité fait partie de la bassesse, et la bassesse est dans Jahannam. Rapporté donc par l'imam Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Aoutsa, on doit l'enseigner à nos enfants. Al-haya, et faire attention à ce qui sort de la bouche, parce que c'est le contraire. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça. Il y a les jeunes qui sont à l'école, la rentrée là. Tout le temps, on doit aller faire des remarques à certains jeunes, et vous le savez, même des fois au quartier, il y en a qui sont beaucoup habitués à parler comme ça. Donc les autres qui ne parlent pas comme ça, vous devez être du'a, il faut leur parler. Mais qu'il y a le fils de trois petits points, vous le savez. Et chaque année, des nouvelles modes. Par exemple, ces dernières années, il s'appelle agro. Agro. À fou. C'est agro. Une fois, je traverse la cour, j'entends agro. Je sais bien qu'il appelle son copain, mais j'aime bien Habil Terbah. Je me retourne. Ouais, t'as appelé qui, frère? Parce que je lui dis, j'ai un petit ventre, moi, j'ai un vieux, moi, je commence à vieillir, j'ai un petit. Je me suis senti visé. C'est moi le gros. Non, monsieur, non, Abdoubillah, monsieur, non, c'est lui. C'est lui le gros. Pourquoi tu m'appelles gros? Et tu vois qu'il commence à, pas à s'énerver, mais à dire, pire, ce vieux, il est né en 1932, il connaît rien de la jeunesse. Pas quelle planète il vit. Non, monsieur, il me dit, c'est comme ça, on se parle, nous. Agro, j'aurai de bombe. C'est quel clivage. Non. Ça vous paraît exagéré? Non, on ne peut pas. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit la pudeur et la foi, al-haya ou l'iman, ils vont de pair. C'est, subhanallah, tu dis, lorsque l'un d'eux, Allahu Akbar. Lorsque l'une des deux, hein, un des deux part, il disparaît, l'autre il disparaît également, rapporté par le Bukhari. Allahu Akbar. Donc le haya ou l'iman. Il a m'chal iman, m'chal haya. M'chal haya, m'chal iman. Allahu Akbar. La pudeur part, la foi part. Si la foi part, la pudeur part. Allahu Akbar. Comment ça? Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses? On te dit aussi la foi comporte, vous vous rappelez ce hadith, une soixantaine ou une septantaine, 70 de chapitres, de branches, plutôt. La plus les élevée, qawlu la ilaha illallah. Le fait de dire la ilaha illallah. Il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun autre en dehors de lui. Rien. Et on te dit le plus bas degré, c'est quand tu enlèves, imatatul adam tarik, tu enlèves quelque chose qui gêne sur le chemin. Et il termine, sallallahu alayhi wa sallam, en disant « وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ » Il y a le haya, la pudeur, c'est une des branches de la foi. C'est-à-dire, même si tu as dit « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam », mais si tu n'as pas le haya, la pudeur, voilà.
Et c'est pour cela que l'ulama rahimahullah, ils ont dit, on a d'abord une première pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celle qui nous oblige de s'écarter de ses interdits. Si tu dis que tu stahim Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as de la pudeur envers lui, quand quelque chose de haram, ne t'approche pas Allah d'alik. Tu sais que c'est haram, ne t'approche pas, ne le pratique pas, ne mens pas. La même chose, il y a les élèves, s'il y a parmi vous des élèves, s'il y a parmi vous des grands frères, des grandes sœurs, parlez avec vous. Je le vois à l'école, toujours la même chose. Moi, je travaille en administratif. Avant, j'étais prof, maintenant dans le bureau. Donc, je me balade beaucoup dans l'école. Des fois, je passe, je vois bien qu'il y a un élève qui a insulté. Allez voir chez les sœurs pour les questions. Mohamed, tu peux voir les sœurs, si elles peuvent sortir les questions près de l'escalier, bon, le frère va les récupérer. Donc, je le vois, je me balade dans l'école. Je vois des choses de loin. La personne, il a fait telle chose. Quand tu dis, excuse-moi, viens ici, il y a une question. Wallah, wallah, ah frère, je t'ai vu. Non, non, t'as cru voir, monsieur. Il te rend rebelle. Ah, on est parti loin, là. Oui, halif, oui. Tiens, frère, je t'ai vu. Non, non, t'as cru voir, monsieur. Non, non. Non, non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je fais pas. Hatta, tu lui dis, bon, prépare-moi avec là. Je vais appeler ton père et un petit jour de renvoi. Ah, tu parlais de près du couloir, tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Subhanallah, Akbar. La mémoire, elle revient. Il dit, retenu, renvoie la mémoire. Après moi, bon, je prends deux minutes pour... Je dis, hey, mon ami, c'est pas de moi que tu dois avoir peur, ou d'un prof, ou d'un éducateur, ou de ton père, ou... Et d'abord, peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bon, c'est les musulmans. Le reste, je ne rentre pas, parce qu'on est... Voilà, on reste dans une neutralité, donc je dis, voilà. S'il te plaît, si toi, tu as des convictions au cadre. Parce que des fois, je me rappelle de l'élève, parce qu'il était élève chez moi en classe, avant que je quitte le métier de prof. Donc, c'était un ancien de mes élèves. Il est juste dans une classe supérieure maintenant. Je dis, tu as déjà entendu ce cours. C'est pour ça que je te parle à toi spécialement. Un autre, je ne peux pas, je reste neutre. Mais toi, tu étais mon élève, tu étais en classe, cours de religion islam, pourquoi tu... Donc on doit toujours faire ces rappels. Parce que même moi qui vous parle, et je reçois des rappels, que ce soit par mes machers, hafidhahoullah, pas par mes parents, mes tantes, oncles, cadres, on reçoit des rappels, c'est ça. Sinon, on fait des fois des erreurs sans le remarquer. Mais on doit l'apprendre à nos enfants. Sois juste. La pudeur envers les créatures. C'est-à-dire d'avoir un certain comportement vers ceux qui t'entourent. Sois aimable avec eux, gentil. On fait notre possible. Des fois, il y a des gens, wallahi, ton cerveau, ils te le mettent sur les épaules. Tu rentres fou. Il faut patienter. Tu avances, petit à petit. Mais c'est un signe, subhanallah, de pudeur aussi. Il n'y a pas le choix. C'est difficile, mais il faut. Et aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths rapportés par muslim, il disait que la pudeur dans tous ses aspects est un bien. C'est un khayr. La pudeur dans tous les domaines, wallahi, c'est un bien. Ce qui sous-entend, tu es gagnant. Aussi la pudeur dans le domaine de l'acquisition du savoir. Deux styles. La pudeur, que ce soit vis-à-vis de ton professeur, celui qui t'apprend, kada, mais aussi la pudeur, c'est-à-dire, elle ne doit pas te bloquer dans l'apprentissage de ta religion. Parce que comme il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimallah, hein, on a deux personnes qui n'apprennent pas. Rappelez-vous, on a le timide et l'orgueilleux. Non. Apprends. Pose la question. Même si c'est un peu gênant, pose la question. Mais ne dis pas, non mais Maïka, ça se fait pas. Là, pose la question. Et c'est ce qui a fait, je vous le dis, cool salaha. On a des fois de la pudeur tordue des parents vis-à-vis de leurs enfants et des enfants vis-à-vis des fois de leurs parents. Un exemple. Un enfant, quand il arrive à un certain âge, puberté, garçon ou fille, des fois les filles, ça peut commencer déjà les règles, par exemple les menstrues à l'âge de 12 ans. Puberté chez les garçons, certains, l'apparition des poils qu'il y a en dessous des bras, partie intime, certains, 13, 14, 15 ans. Ça, qui leur parle? C'est Hachouma. Chez nous, c'est Hachouma. T'imagines d'abord encore maintenant la toute dernière génération. Ils lisent, tu lis avec eux des livres, CD à la maison, YouTube, et la nôtre qui sommes nés ici, qui ont maintenant 47 ans. Je crois que moi, quand j'ai vu mes premiers poils en dessous du bras, j'allais à Al-Hajj Al-Walid, Miskin Lahido, Allah Ishafi, Al-Kullo, Samad, Al-Walid, Kef. Allah, il va te regarder comme ça, Allah, il n'a pas qu'il y a chum. C'est là, ce qu'on te voit l'idée. Alors que c'est simple la question, c'est juste pour dire, Walid, je ne sais pas moi, qu'il y a quelque chose qui te dit. Normalement, c'est comme ça qu'on doit. Hein?
Vous savez pourquoi? Parce que tu as prévenu tes enfants quand ils avaient 11, 12. De temps en temps, tu discutais avec eux, t'es attention à l'ouled. Vous allez arriver à un âge, vous devez les poils, kada. Donc, hein, Sunan al-Fitra, dans le Bukhari. Taqlim al-Adhafir, sah ou la? Mais on a, halq al-Ana, natf al-Ibd. On est censé raser les poils du pubis, enlever hein, les poils en dessous des bras. Et comme ça, alors l'enfant, dès qu'il remarque des choses, vient, je te l'habille, il se m'achille, c'est... Donc c'est ça qu'on doit enlever, hein, Kada. Puis après, il ne va pas vous montrer les parties intimes, parce que tu lui as appris, depuis qu'il est petit, il ne peut pas les montrer. C'est juste ou pas? Après, il va te dire, tu lui as, toi, alors t'anticipes. Là, il n'y a pas de l'haya, pas de pudeur, tu lui dis. Des fois, on a des petites pudeurs, na'am. La fille qui demande à sa mère, ça, ou bien des questions de fille, on laisse la maman qui va expliquer à sa fille. Mais il peut arriver que des fois, la maman ne connaît pas, pas au courant. Faut pas être gêné. Tu parles alors avec, si tu sais que ça va mettre un peu trop de pudeur de haya vis-à-vis de ta fille avec, envers toi, alors tu expliques toi à la mère, tu dis voilà, pour cette situation-là, kada kada, ça arrive. Dans le couple, j'ai parlé des jeunes, wallahi ya shabab, wallahi, je reçois comme question de jeunes qui sont mariés et qui me demandent comment est-ce qu'on se lave après une relation sexuelle, et comment est-ce qu'on doit faire kada, et comment ceci, et comment cela. T'as jamais discuté avec personne, jamais, pas de cours. Normalement, les parents sont censés expliquer ça. Le père, l'homme, il prend son fils quand il va se marier, il s'approche du mariage, il prend un gilet. Il y a des sujets, beaucoup de gens, ils pensent qu'il faut tout le temps le ulama, tout le temps le mashayikh, le du'at. Là, il n'y a pas de... Ma'rouf, qui est que tu dois connaître cela? C'est des choses, c'est indiscutable. On n'attend pas le cher. Tu l'as étudié jeune, tu arrives à un âge, tu le transmets à ton enfant. Là, de nouveau, il n'y a pas. Et c'est pour cela que, dans un autre hadith rapporté par Muslim, Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, quelle excellente femme que les femmes des Ansar. On a le Muhajirin, ceux qui sont partis de la Mecque. L'Ansar, c'est qui? Ceux de Médine. Gardez ça en tête. L'Ansar, c'est ceux de Médine. Eh bien, Aïcha disait, subhanallah, tchouf Nsa, vrai, de Médine. Pourquoi? Elle dit, la pudeur ne les empêchait pas de comprendre leur religion. C'est-à-dire, le haya, kanoukistahium, voilà, siyama, imaginez, face au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle disait, ça ne les freinait pas pour aller apprendre leur religion. Ils posaient des questions. Et je termine avant de passer au dernier nom. Jazakumullah pour votre patience, hein, c'est une fois dans la semaine. C'est une fois dans la semaine, aide à s'asseoir deux petites heures. Un abhal commun, comme la plupart d'entre vous, je le dis rarement, mais vous savez, je suis salarié au fait. Je travaille dans un bureau, 38 heures semaine. C'est-à-dire, je sors, je démarre ma moto à 7h15 pour être au bureau à 8h. Je ne suis pas affrété dans une mosquée. Il y a un petit peu plus de souplesse, plus ou moins. Ça, au même, c'est qu'ils ont telle maladie. C'est juste ou pas? Et comme ça, vous comprenez. Donc, comme vous, aujourd'hui, j'ai dû aller travailler 8 heures au bureau et je termine à 4h30 pour rentrer direct. Comme vous, la plupart qui sont peut-être venus du travail ou bien de l'école, je ne trache pas, je n'ai pas le temps de manger parce qu'il faut dire, ah, il vient à 5 heures me chercher. Donc, yallah, je me change, j'ai une demi-heure. Change, tap, tap, tap. Mon ami Mski Mehdi, il est déjà là. Bon, dans la voiture, on arrive. Moi aussi, dans 20 minutes, je commence à avoir des lumières blanches comme ça. La fatigue, ça. Mais pourquoi on le fait quand même? Parce que c'est ce qu'on va trouver, bi'idhnillah, le jour du jugement dernier, inch'Allah. Wallahi, toutes ces petites heures que vous restez dans la mosquée, une fois par semaine, yawm al-qiyamah, c'est ce que vous allez trouver, vous allez être fier. Vous allez dire, alhamdoulilah, c'est peut-être cette hasana que vous allez retrouver. Qui vous le dit? Wallahi, c'est peut-être cette hasana que vous allez retrouver. Elle disait que parmi les paroles des dernières, subhanallah, paroles prophétiques que les gens ont saisies, c'était fa illam tastahi fasna ma shi'ta. Fa illam tastahi fasna ma shi'ta. Subhanallah, il y a eu deux commentaires par rapport à ce texte. Le premier nous touche ici. Ils ont dit, s'il y a une situation devant toi qui s'annonce, mais qu'alhamdoulilah, il n'y a pas à avoir de la pudeur, alors fais, il n'y a pas de souci, fais. C'est pas haram, c'est pas rejeté, fait. Et l'autre avis qui est donné,
C'est fa'il lam tastahi, ça veut dire si tu n'as plus de haya, wal'ayadu billah, fais ce que tu veux. Comme pour dire entre toi et peut-être même il se peut que le hayawan, ils ont plus de pudeur que toi alors, wal'ayadu billah. Qu'Allah nous préserve. Vous voyez, l'un dans l'autre, te dis fais attention. Et pour terminer, troisième nom, as-sittir. Ah, as-sittir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, on a le mot as-sitr. Et as-sitr, c'est celui qui couvre. En général, as-sattar, on va te dire, subhanallah, que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que le nom, quand vous l'avez remarqué, avec le hayyu, il se suit. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rappelez-vous dans le nom juste avant, qu'il y a cette pudeur, il ne nous dévoile pas, et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Très souvent, il nous couvre d'un voile. C'est juste ou pas? Eh bien, on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, justement, un de ses noms, il est celui qui couvre énormément ses serviteurs. Il est celui qui couvre énormément ses serviteurs. Et il n'expose pas au regard des gens leur désobéissance. Petit exemple très rapide pour comprendre cette phrase, c'est que quand tu es caché dans une pièce et tu fais quelque chose de haram, tu n'as jamais vu quelqu'un qui sort comme ça avec les mains haïda dans la rue, et tu dis qu'est-ce qu'il y a, et puis tu entends une voix qui dit « Celui-là, il faisait le haram à l'intérieur et... » Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Là. Chouf, regardez combien Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Il couvre. Et on te dit aussi, il aime que ses serviteurs, justement, couvrent ce qui pourrait attirer leur honte. Et là, ya shabab, c'est un petit souci qui arrive chez certains aujourd'hui. C'est lequel? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala couvre la personne pendant qu'il fait une monseiva, un acte grave. Et qu'est-ce que la personne fait le lendemain? Il va raconter ce qu'il a fait. Hommes et femmes, dans tous les domaines. Tu peux avoir par exemple un homme qui a fait une monseiva, le lendemain il dit ce que moi j'ai fait. Moi. Une femme aussi qui a fait, je sais pas moi, une grave dispute. Elle a, allez, j'exagère, je donne un exemple vraiment. Elle a profité, elle a donné cette tarte à son mari, mais je suis plus le lendemain avec des soeurs. Tu sais quoi, Allah, je l'ai réglé, je l'ai remis en place direct. Comment tu dis souvent, toi, 2-2, pour dire rapide. En 2-2. Ça dure en 2-3 mouvements. Tarte par, je l'ai remis une. Et elle est là toute fière, et lui, il raconte à ses potes, et moi, ah oui, hier, ma femme, ah, tu sais comment je l'ai fait, ou quoi, m'a donné une sorte pas de balayage direct, low kick, elle a pu bouger 2 jours. Allah. Ce que vous avez fait là, c'est une monseiba. C'est catastrophique, l'un et l'autre. Je profite de cet exemple pour parler de ceux qui commettent ces graves méfaits, là, de se taper, de se frapper, chose que, voilà, et là, on n'a pas dans un couple, mais, et le lendemain, chacun de son côté est fier d'aller raconter ça. Écoutez, Salim ibn Abdullah, il dit, radiallahu anhu, il est rapporté par le Bukhari Muslim, il dit, j'ai entendu Abu Huraira, radiallahu anhu, affirmer avoir entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ses propos. Il dit, tous les membres de ma communauté sont à l'abri du châtiment, sauf les ostentatoires. Kullu mu'afi. Ça veut dire que tu es, mashallah, protégé. Sauf on a un groupe. On a les mujahid. Le muhajir, celui-là qui émigre, ça c'est autre chose. Mais la lettre, elle est... C'est celui qui vient et qui commence à haute voix. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, c'est le cas d'un homme qui accomplit un acte de désobéissance la nuit, que Allah subhanahu wa ta'ala a dissimulé, et au propos duquel son auteur, qu'est-ce qu'il fait? Non content de la dissimulation, dont il a bénéficié de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient le matin et qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait ceci et j'ai fait cela hier. Aussi, son maître l'a couvert toute la nuit, mais lui a écarté la couverture qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait étendue sur lui. Allahu Akbar. Vous avez saisi? Très simple. Il fait une monseiba, Allah subhanahu wa ta'ala le couvre. Il lui laisse ce moment-là pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon. Et lui, il attend le matin, qu'est-ce qu'il fait?
commence à tout fier à montrer, et j'ai fait. Aussi, Allah rda alikoum, l'imam Nawawi rahimahullah dit, il est réprouvé pour celui qu'une tentation a jeté dans la désobéissance d'en faire part aux autres. En revanche, il doit la cesser. Il doit regretter et se résoudre à ne pas récidiver. Ce qu'on appelle parmi les conditions du repentir et shabab. Ne sois pas fier de venir raconter quelque chose que tu as fait. Abadan. Et s'il en informe son maître ou autre dans l'espoir de connaître l'issue ou d'apprendre comment y échapper à l'avenir ou à la cause pour laquelle il s'y est embourbé ou pour que le maître prie pour lui, que ce soit, ici on parle du maître, ou bien que ce soit par exemple des fois un cheikh ou quelqu'un qui s'y connaît en religion. Il veut dire par là que si jamais tu viens raconter, comme des fois maintenant vos questions là qu'on va passer dans une minute ou deux, et que tu racontes une situation, c'est anonyme, mais tu la racontes pourquoi ? Parce que tu veux une solution, tu veux une réponse pour corriger ce problème. Là, on te dit, tu as le droit alors de le faire. Il te dit alors, rahimallah, cela est bon. Alors ce qui est détestable, c'est d'en parler quand il n'y a aucun intérêt à le faire. Ah, hier, il y a un type, alors je vais faire un balayage. Ah, hier, il y a un gala. Ah, hier, j'ai arnaqué un... On le dit. Hier, j'ai arnaqué un flamand. Ça veut dire quoi, cette phrase ? J'ai arnaqué un flamand. Tu t'es arnaqué toi-même. Parce qu'il y en a encore aujourd'hui, alors je vous parle, qui croit que arnaquer un non-musulman, c'est le top. Il dit, non, frère, c'était pas un musulman, hein, c'est un non-musulman. Ah ouais, donc c'est bon, machallah, tu peux arnaquer, vas-y. Là, il a Allah. Catastrophique. Hein? On te dit aussi, Allah rda alikoum, que Ibn Omar, radiallahu anhuma jami'an, il dit, un homme l'a interrogé. Il lui dit, qu'a-t-on entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à dire au sujet de la confidence? Il lui a répondu, je l'ai entendu dire, on va rapprocher l'un de vous de son Seigneur, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, tant et si bien qu'il posera son voile sur lui et va lui demander, est-ce que tu as bien fait ceci ou cela? Et subhanallah, le serviteur dira, na'am, j'ai bien fait cela, oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala va encore le questionner, as-tu fait ceci ou cela? Et il dira oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur va dire, je te les ai couverts dans ce bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. Rapporté par le Bukhari et Muslim. La ilaha illallah. Adayom al-qiyamah shabab, jour du jugement. Parce que sur terre, tu as fait des bêtises, tu t'es tué, tu as demandé pardon. Yom al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va t'appeler. Il va te dire, ya Abdallah, ya Amatallah, est-ce que tu as fait ça et ça et ça? Comme tu es quelqu'un qui a la foi, tu le verras ce jour-là. Tu vas dire, na'am ya Allah, je l'ai fait. Parce que d'autres, au contraire, ils vont commencer à discuter. Et il te dira, et telle et telle et telle chose, tu l'as fait? Na'am ya Allah, je l'ai fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà. Je te les ai couverts sur terre. La propre personne n'a su. Ben aujourd'hui, qu'est-ce que je te fais? Il aurait pu dire, rien que dans la logique, je te les ai couverts sur terre, je te les dévoile devant tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te les pardonne. Et ça, c'est quand tu reconnais ta place sur terre et ta situation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu ne la reconnais pas, tu fais n'importe quoi. Voilà, c'est pour cela que Abu Barz al-Aslami, et je termine sur ce hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Il dit, oh vous qui croyez avec la langue, alors que la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs, ne médisez pas des musulmans. Ne recherchez pas leurs défauts, car si vous pourchassez leurs manquements, Allah subhanahu wa ta'ala poursuivra les vôtres. Or si Allah subhanahu wa ta'ala poursuit les défauts de quelqu'un, il le couvrira de honte dans sa propre maison. Rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala kaystar, sahoulana, il couvre. Mais wallahi, si tu commences toi à parler des autres, si tu commences toi à dévoiler les autres, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te dévoiler dans ta propre demeure. Attends-toi, Ibn Seba, dans ta propre maison. Et nous, on a des gens dans des familles, des personnes qui grattent. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Kada? Je donne un simple exemple. On sait très bien, avec les générations maintenant qui se sont accumulées, je donne un exemple. J'aime bien parler des exemples cash, hein. Les relations garçon-fille. On sait très bien que, voilà, notre époque à nous, notre génération, la plupart... Il se retenait, Kada, pas spécialement parce que c'était haram, hein. Mais c'est parce que je me rappelle, moi, quand on était jeunes, avant de rentrer vraiment dans
qu'on allait apprendre le din et tout, j'avais des copains et tout. Quand on disait par exemple, Alhamdoulilah, sort pas avec une fille, hein, fais gaffe, hein. L'autre il dit, j'ai fait rendez-vous avec à Forêt, mon père, nous on habite Molum. Mon père, jamais de sa vie, il a été à Forêt. C'était juste le khawf de qui, la peur de qui? Du père, et quel trajet il fait? Il n'y avait pas taqillah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, ceci. Non, abadan. Il y avait toujours avec le groupe, mashallah, hein, qui avait taqwallah, tout ce que tu veux. Mais il y avait un bon paquet de nos potes au quartier, kada. C'était souvent, par où il parlait, et vous avez fait où le rendez-vous? Je vais faire telle station. La peur que de l'être humain. Les périodes sont passées, maintenant vous avez remarqué, il y en a qui sortent la hiya la hachma, c'est à l'aise maintenant. Hein. Il y en a même qui le savent dans la famille, tranquille. Moi, il me sait. Chacun, il a sa petite vie, là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive que ce garçon, cette fille, après, elle revient vers Allah, subhanahu wa ta'ala, elle change de vie. Et qu'est-ce qu'on a comme mode ces dernières années? Et voilà, ayyadu billah, des fois, Facebook, il aide beaucoup à cela. C'est que certains viennent dévoiler sur Facebook. Combien de fois j'ai reçu de mails, des fois de sœurs ou de frères qui disent voilà, certains, depuis que j'ai changé, ils n'ont pas aimé. Et maintenant, ils me disent voilà, tu fais le malin, bon, on va tout mettre sur Facebook, on va dévoiler. Tu vois, ce satanisme, jusqu'où il va? On n'a pas ce comportement en islam. Et celui qui veut jouer avec le feu, t'inquiète. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne sa parole. Allah, il te dévoilera et il mettra le déshonneur dans ta propre maison. Tu auras peut-être une moussiba qu'Allah nous préserve dans ta maison. Enfin voilà, barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. On va voir un petit peu les questions. Inch'Allah, si on peut donc céder.